every day is like the last. Future looks like the past. It's time to break beyond this haze. Turn my eyes to brighter days. C'est prendre la résolution de rendre heureux quelqu'un. Et moi aujourd'hui, je veux te rendre heureux. Mon cœur, cette journée, notre journée, est un moment que l'on attend avec impatience depuis le 25 décembre 2017. Nous voilà ce 16 juin. Et oui, enfin, nous allons nous dire oui. Je voudrais que tu saches que depuis que je suis avec toi, je suis le plus heureux des hommes. C'est pour cela que je suis enfin décidée à te demander en mariage, pour te prouver encore plus mon amour et pour nous unir à jamais. Notre parcours, qui peut être qualifié d'atypique par certains, mais surtout d'une très belle histoire pour moi. Cette journée, j'en ai rêvé. Et maintenant j'y suis. Partager cette vie avec toi, les bons comme parfois les mauvais moments, je le veux du plus profond de mon cœur. Tu es mon rayon de soleil. Tu es celle que j'aime plus que tout au monde. Tu es celle qui me rassure, tu es celle qui me pousse, tu es celle qui m'encourage et tu es celle qui me modère aussi parfois. Ton caractère, ton éducation, mais aussi tes yeux, ton regard, me font craquer chaque jour.
Notre avenir, je le veux à deux. Je le veux avec toi, mais peut-être pas que. Profite de cette belle journée, ma chérie. Ton futur mari qui t'aime. Busy days, quiet nights, retracing steps to read between the lines. Faded then, missing now, these memories are painted with a golden brush somehow. And I feel it in my bones, times I used to know. 'Cause half the time I'm dreaming I could be there all the time. When half my waking. Parce qu'on m'avait dit que j'allais me marier un jour. Je ne saurais jamais cru. Sans raison. Ça se voit. Ça se voit. Ah, mec, tu vas me le dire. Qu'est-ce que tu faisais? Ah, ça va. Know so well in that feeling. Mm-hmm. Oh, this feeling. Mm-hmm. Feels like home. Petty questions, open hearts, wanting more, not knowing where to start. Running free, wasting time, wondering about the life I was trying to find. And I feel it in my bones, those times I used to know. Like home. Mon amour, quand tu liras cette lettre, tu seras vêtu de ton beau costume et nous serons plus qu'à quelques heures de ce bel événement où nous allons sceller notre amour et ces années de vie commune pour ce grand oui devant toute notre famille et nos amis. Un oui pour la vie, un oui qui a aujourd'hui toute son importance à nos yeux, car je vais enfin devenir ta femme et toi mon mari. Nous avons attendu cette belle journée depuis de longs mois, alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à effacer tout ce stress de ces longs mois d'attente et de préparation pour profiter de chaque instant, de chaque moment, afin que ce 16 juin 2018 soit l'un des plus beaux jours de notre vie. Je pourrais encore en écrire tellement. J'ai de belles choses qui me viennent en tête quand je repense à tous ces moments partagés depuis notre première rencontre au lycée. D'ailleurs, un grand merci à ce fameux livre d'SVT. À ce jour de notre union, mais je vais faire court car je ne voudrais pas te mettre en retard pour nous rejoindre. Simplement un grand merci pour tout ce que tu m'as apporté durant toutes ces belles années. Et pour tout ce que tu m'apportes encore chaque jour, je suis très fier de devenir ta femme. Je t'aime mon amour. Je te laisse le soin d'ouvrir le petit paquet présent avec cette lettre. Il n'est pas très gros, mais a beaucoup d'importance à mes yeux. T'avoue.
like home. You stumbled and fell, and you wanna run away. You find yourself holding on to yesterday. The light is fading fast. So much left to say. The weight of your past holds you down again. The twists and turns of life pull me far. They take memories yet to make, but not the days we've been through. But you can't mend this on your own. It's not broken, that's just how it goes. Passed you by, and your story has been told. You find yourself walking into the unknown. Merci, c'est gentil. Pas couper le vent. Le vent. Ça sent rien. Même auparavant, il y avait Louis, donc ton grand-oncle, qui était concier avant nous, oui. Non, laisse ça. Et aujourd'hui, on va faire un mariage à quatre mains. J'ai proposé à Jean-Luc, et officiellement c'est lui qui fait le mariage, mais il m'a dit, j'aimerais bien que tu sois à côté de moi, qu'on fasse ensemble. Donc, c'est Jean-Luc qui sera le maire aujourd'hui, il va mettre l'écharpe. D'accord. Non, je savais pas moi. Voilà. Moi, je savais rien du tout. Oh bah. Ça va très bien comme ça, ça te convient. Ouais. Donc on va faire ce mariage à quatre mains. Alors c'est vrai, le mariage à la mairie, c'est un acte d'état civil. Voilà. Donc on va commencer, je vais vous demander de vous lever, tous les deux s'il vous plaît. Et puis je vais laisser Jean-Luc.
C'est toi qui commence. Toi, tu vas. Donc, nous allons procéder à la célébration du mariage de Nicolas Pierre Estevao avec Cindy Yvette Eugénie Couvet. A-t-il été fait un contrat de mariage? Si un contrat de mariage a été fait, veuillez le déclarer. Oui. La date de ce contrat, donc du 29 mars 2018, le nom du notaire, donc Catherine, devant le notaire Catherine Guérin, arrive. C'est horrible, c'est bon. Oui, c'est vrai. C'est drôle, ça va. On cherche un livre, Nicolas Pierre Estevao. Consentez-vous à prendre pour épouse Cindy Yvette Eugénie Couvert, ici présente? Oui. C'est un peu long là. Je savais qu'il ne pouvait pas s'en empêcher. Bah, du coup, j'ai dit oui maintenant. Cindy, Yvette Eugénie Couvert, consentez-vous? Consentez-vous? Ça fait un peu bizarre. À prendre pour époux Nicolas Pierre Estevao, ici présent. Oui. Au nom de la loi, nous vous proclamons unis par le mariage. Twists and turns of life pull me far from you. But you can mend it on your own. It's not broken, that's just how it goes. Chers amis, c'est une grande joie
pour nous, moi et l'équipe de Bévenet, pour vous accueillir dans cette église au nom de Jésus-Christ et de la communauté chrétienne. Cindy et Nicolas, vous avez souhaité que votre amour soit marqué par le Seigneur d'un signe sacré. Alors, réjouissons-nous ensemble avec vos parents et vos amis ici présents, mais aussi avec ceux qui n'ont pas pu être présents. Si dans cette assemblée, certains d'entre vous ne partagent pas votre foi, alors qu'ils partagent au moins votre joie en toute simplicité. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Je vais vous indiquer le chemin par excellence. J'aurais beau parler toutes les langues, des hommes et des anges. Si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne serai. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour prend service, l'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'intimidant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il en veut tout. L'amour ne passera jamais. Donc, vous aimez à chaque seconde, c'est ça l'amour? Parce qu'en une seconde près, tout peut basculer. Or, on ne voudrait pas que ça bascule. Donc, l'amour supporte tout. Vous allez vous engueuler, c'est normal. Il faut vous engueuler. S'il dit, il faut l'engueuler. S'il n'est pas d'accord, vous m'appelez. Hein? Quand Julien n'est pas d'accord, vous m'engueulez. Moi, je viens. J'habite à côté. Hein? Au fur et à mesure que vous vous engueulez, après, vous allez vous supporter. Pas dire, ah non, c'est moi. Mais c'est ça. C'est-à-dire, il y aura le vent, il y aura la tempête, il y aura les orages. Mais vous êtes solides tous les deux. C'est-à-dire, vous vous chamaillez, mais c'est votre femme, vous l'aimez. Je prends un exemple tout simple. Elle a fait la morue, mais c'est trop salé. Mais comme l'amour supporte tout, l'amour prend patience, le monsieur faut manger. Mais c'est ça, construire sur du solide. Mais il faut manger. C'est-à-dire, s'il va dire, chérie Nicolas, je préparais, mais comme je pensais tellement à toi, j'ai mis trop du sel. Donc si Nicolas est la cause de cela, dit chérie, je t'aime. Vous allez vous engager. Votre amour est appelé à évoluer tout au long de votre vie.
Ben, les choses sérieuses commencent. Cindy et Nicolas, vous avez écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain et du mariage. Vous allez vous engager l'un envers l'autre dans le mariage. Est-ce librement et sans contrainte? Oui. 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 En vous engageant dans la voie du mariage, vous vous promettez amour mutuel et respect. Est-ce pour toute votre vie? Oui, pour toute notre vie. Oui, pour toute notre vie. Êtes-vous prêt à accueillir les enfants que Dieu vous donne et à les éduquer selon l'évangile du Christ et dans la foi de l'Église? Oui. Oui. Les alliances que nous bénissons entre nous donnent à Cindy et Nicolas de se garder l'un à l'autre une entière fidélité, qu'ils demeurent dans la paix en faisant ta volonté et qu'ils vivent toujours dans l'amour mutuel. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Cindy, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Nicolas, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Attendez, attendez, pas de façon, vous êtes maintenant mariés ensemble. Mets dans la main, mets dans la main. Très bien, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour Cindy et Nicolas, et pour le bonheur de leur foyer, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour leurs proches et leurs amis, et pour tous ceux qui les ont aidés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour toutes les familles dans le monde et pour que s'affermisse la paix entre les nations, prions le Seigneur. Louez-le, louez-le,
Vous allez passer une belle soirée. Mon frère a eu la gentillesse et la bonne idée de nous installer une photo box. Donc du coup, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à mettre votre adresse mail pour recevoir la photo et surtout pour que nous, on ait les vôtres. On vous souhaite tous les deux une très belle soirée et puis de bien profiter. Merci. Alors, tremblez, le temps d'ouvrir votre serviette. Mais après, ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de méchant. Vous avez le nom d'un personnage qui vous est attitré. Et donc, les mariés vont avoir la liste de l'ensemble de ces noms et vont devoir justement donner des indices
pour que la personne se présente. Les grandes oreilles. Paris. Une souris. Ratatouille. Ah, alors attends, je trouve que je vais dire, huissier, vous venez avec moi. Je veux pas avoir de problème. Ah ouais, je pense qu'on est bon là. Ah, et là-bas on a qui? Ah, on a un monsieur avec des... Ah, t'as gagné quoi? Romantique. Romantique, est-ce que la personne va se reconnaître? Un balcon. Ah, Denis, ça y est, bravo! Bravo, Denis. Je sais, j'ai vu quand on a monté les chapiteaux, c'était bien, c'était... Il y avait quelque chose. C'est pas tout à fait perdu. J'ai trouvé, c'était pas mal. La chaussure du marié. Dreams I hold the Sunday.